Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, on va préparer riz gras à la viande bien dorée et très bien assaisonnée aussi. Hein. Pour ça, j'ai ici un kilogramme de la viande qui manque un tout petit peu. Avec des lahas, je ne sais pas comment on dit ça en français. La viande, je vais le mariner avec un peu de la moutarde et de la vinaigre, tout tihorom, un peu de sel. Manglen di nuyé ñep, mi wuri ki abonné bi am info, mi la ndiki si don e jam, mi mi do e jam, alhamdoulillah. J'espère que ce plat va vous plaire parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de réaliser cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous liker mes vidéos parce que c'est pas facile de monter une vidéo, de filmer et de monter aussi. S'il vous plaît, soyez humble et aimez les vidéos parce que c'est très difficile. Vraiment, pour ça, j'ai ici beaucoup d'ail, de persil, de l'oignon vert qu'on appelle ciboulette, un petit oignon, de ginger, piment vert. Ici, je vais mariner moutarde et vinaigre avec un peu de sel. Ici, j'ai coupé ici l'oignon, piment vert, l'ail, escargot CC. Moi, yet bundao. Escargot, c'est moi, yet. Un tout petit peu de yet. Un oignon, cane sophia, ben feuille laurier. C'est ça que je vais commencer. Ici, je vais piler moitié d'un cube, c'est une option. Laurier, l'ail et ginger et du poivre que je vais piler. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais mettre ma famille verte qui est composée de persil, poivron et l'oignon vert, persil. On va piler ça. Je profite pour souhaiter un très bon ramadan à tous les fidèles musulmans. Ici, je vais le diviser en deux parties. L'autre partie, je vais le mettre pour mon roussi. Le roussi pour le commencement. Et l'autre, je vais mélanger avec un petit oignon que je vais mettre après avoir vaporisé mon riz. Comme vous le constatez ici, j'ai diminué. Je l'ai divisé en deux. Je vais mettre l'oignon. J'ai ici 300 ml d'huile, moi voilà d'huile. Je vais laisser un peu pour ma crudité, tout direct là. Si vous consommez beaucoup d'huile là, vous pouvez augmenter un peu, mais moi j'aime pas quand c'est trop huilé comme ça. Voilà, j'ai mis mon rossi, l'ail, oignon et piment vert, escargot fumé et CC. On va mélanger. Si vous n'avez pas ça, l'escargot, c'est pas grave. Laissez dorer les oignons, s'il vous plaît. Ici, mom, il faut prendre votre temps parce que si vous ratez cette étape, votre chip ne sera pas bon. Vraiment. C'est ici, moi je pense que c'est la base du tchep. C'est ici qu'on dure, c'est ici qu'on met, on laisse dorer. C'est ici le commencement que moi affaire bien,
C'est commencement bien. Ah, si vous aimez pas aussi qu'il soit plus doré, arrêtez ici la cuisson pour qu'il soit plus blanc. Mais moi, je vais continuer parce que j'aime quand c'est bien doré. Si j'ai assaisonné avec un peu de sel, vous pouvez arrêter ici et mettre votre viande. Mais moi, je vais continuer un peu et mettre un peu d'eau. Je vous dis, hein, c'est pas facile de filmer et de monter une vidéo. Soyez humble. Je mets un peu d'eau. On laisse un tout petit peu. Après, on va mettre la viande. Vous voyez, c'est bien doré. J'ai laissé bien caraméliser mon oignon. Je vais mettre ma viande que j'ai déjà marinée et j'ai laissé ça reposer 15 minutes. Ça va m'aider pour la cuisson, le vinaigre. Vous voyez, je vais laisser cette côté doré. Ensuite, mettre l'autre côté, retourner dans l'autre côté. Il faut qu'il soit doré. Ça m'a pris beaucoup de temps, wallahi. On retourne dans l'autre sens. Ramadan Mubarak à tous les fidèles musulmans. Yalla nañu ko féké ati béré béré. Je mets mon épice. Si tu veux savoir de quelle épice que j'utilise, tu peux le mettre dans les commentaires. C'est une option aussi. Mettez les épices que vous consommez, c'est vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre cuisine pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je vis mon épice. Ensuite, on va mettre les tomates, à peu près 5 tomates moyennes, tomates fraîches, mon nokos, ma mélange de persil, oignon vert, et poivron et piment vert. Qu'on va revenir ici, on va mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. On laisse dorer. Je vais laisser jusqu'à ce que les tomates soient caramélisées aussi, qu'on voit plus les tomates. On laisse dorer en attendant que je lave mon riz. On va le laver bien. J'ai pas filmé pour éviter. Je voulais éviter vidéo long, mais je mets quelques graines de poivre. Mais ça m'a échappé. Hein. Je voulais pas qu'il soit aussi long que ça. Mais c'est dommage. J'ai lavé mon riz. Il faut l'enlever tout l'amidon du riz. Vous voyez les tomates? Tasna. Tomates on taille, faïdaï, et ta moussa. Kouhiditi ton komom. Kouhiditi, je mets un tout petit peu d'eau. Subhanallah. Fais le défaut mon ndok. Fais la def ndokbi. Ok? J'ai mis un peu d'eau. Ensuite, on va new look. Excusez-moi, je suis très fatiguée.
Voilà. Maintenant, ici, si vous avez un marmite beaucoup plus grand, vous pouvez laisser et revenir votre jus à la vapeur. Ou bien si vous avez des vaporisateurs, octamia. Mais moi, je vais diminuer l'eau pour que ça m'aide la vaporisation. On va diminuer. Pour Mamouna. Taïsa Mathieu. Fino mi surtinira waɗi si mi ɗuyti si lan jogi wurere hara ko jannude mi ɗuytata mi surtinay ɗo rek kono si mi waɗiɗa hara e nangoto nebban ɗan fo nangoto ka yakere ko yakere dey ka voilà ici c'est bon maintenant on va vaporiser notre lit concassé c'est le lit parfumé concassé ok 1 kg. Voilà, c'est bien. Voilà, comme vous le voyez, c'est bien vaporisé. C'est bon comme ça, on va le retirer et remettre notre sauce qu'on avait diminuée. Soyez les bienvenus, les nouvelles abonnées. Je vous remercie. J'oublie pas les anciens parce que vous êtes les fidèles. C'est vous qui restez. Je ne sais pas. Vous êtes les anciens. Vous êtes les meilleurs hein, parce que c'est grâce à vous que je continue. J'espère que ma cuisine sera un atout. J'ai mis les feuilles de laurier, une moitié Sophia, oui, canet vert. Je mets un bouillon, c'est une option, un cube d'assaisonnement. J'ai mis. Comment on appelle ça, ça? Ça m'a lassé. Je vais mettre mon ocos, ma mélange de marinade. Je fais un gros bisou à Toronto depuis la France, Gando, États-Unis, Azanjo pour Mistafal. Yerejef compte en acheter commentaire. Merci beaucoup. Abibatoulaye Bari Mariam, ça fait un bail que je ne te vois pas. Je te salue de passage. Ma famille de la Casamance, merci beaucoup. J'espère que ma cuisine sera un atout dans la vôtre. Maintenant, on va laisser. Bouillir à feu moyen. Laisser mijoter. OK? J'ai mis du poivre, à peu près 1 cuillerée à café du poivre. Cuillerée à café du poivre. Si on dit riz gras à la viande, on met du poivre et de l'ail. N'oubliez pas de diminuer le feu. Je prends tout mon temps. Moi, je prends mon temps pour cuisiner le kebab. Vous voyez, c'est bien. Comment c'est Natasha à faire lui? Est-ce que. Nyorna, c'est bien cuit, la viande. On rectifie l'assaisonnement, je mets. Du sel, ça manquait. Mettez les cubes jusqu'à, si vous voulez, vous allez mettre 2 à 3
et mettre du sel. Ça dépendra de vous, ok? Mettez jusqu'à ce que vous obteniez la goût que vous cherchez. Vous avez vu, j'ai dû diminuer le feu pour qu'il mijote. Donc, il baille mon bar, ça m'a sorti. Je vais faire un bouillon. Pas trop doux, pas moyen aussi. Hein. Au milieu de ça, c'est gigantesque beau. Doux moyen, doux doux. Vous avez vu ici, je vais retirer ça pour ma sauce. Hein. Je ne le jette pas. J'enlève tout simplement pour que mon riz, pour mon bagne, comment on dit ça? Fi ta tunu to moja fi yo cepuri ndi yonde lawo koy harande ala basalle ho der to on fam après on va diminuer la sauce de fil à la mesure on va augmenter ne mettez pas beaucoup hein. Si t'es débutant mom diminue vous voyez ce que je retire. On diminue. On va après augmenter de petit à petit. Ok? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas compris l'autre. L'explication du chef rouge. C'est. Il faut regarder ça. J'espère que tu vas comprendre ici. Voilà, on retire. Duma ko sandi de bobu lay def sauce bi nak bobu lay bolé ak oignon carotte maintenant ñu sour on va mettre le riz que c'est déjà vaporisé 1 kg. À partir d'ici, diminuer le feu et laisser mijoter à feu doux. Vous voyez, j'augmente la sauce. Je vais augmenter de fur à la mesure. Inch'Allah. Faites de même. Ok, ne mettez pas beaucoup de sauce si vous n'êtes pas sûr. C'est comme ça. Je vais continuer. Voilà, on va fermer hermétiquement et laisser cuire 30 minutes avant de retourner dans l'autre sens. Inch'Allah. Vous voyez, j'ai mis un piment. Ici, c'est bon. On ferme et on laisse mijoter là-bas à feu doux pendant 30 minutes. Vous voyez, après. J'augmente un peu parce que je vois les grains blancs là. J'aime pas du tout ça. Vous voyez, j'augmente un peu. C'est comme ça que je vais faire de fuir à la mesure. Inch'Allah. Ici, j'ai coupé poivron, tomate, oignon, poivron vert. Je mets poivre, moutarde, un peu de sel et un peu d'huile. C'est ma crudité, un petit peu, hein. Pour me bagner, il n'y a qu'à me crudité, Rick. Voilà, après 30 minutes, on va retourner dans l'autre sens. Oh. Vous voyez, comme c'est bien doré, en bas, là. Ça tombe.
Je fais un gros gros coucou à ma famille depuis la Casamance. Vous voyez, je retire la viande parce que comment c'est la tasse, ça commence à se détasser quoi. C'est l'occasion aussi pour laisser plus d'espace, ok? Si tu veux, tu retires avant de mettre le riz. Ça dépendra de toi pour avoir plus d'espace. Encore, je vais laisser 15 minutes. 15 minutes, hein. Je vais augmenter un tout petit peu de la sauce encore. Parce que jusqu'à présent, je vois là des petits grains blancs là. Je déteste ça. J'aime pas ça. Voilà, on va laisser 15 minutes encore. Hein. A fait doux jusqu'à présent, elle est doux. Ici, c'est la sauce que je vais mélanger avec oignon et carotte. Si vous avez des haricots, vous pouvez en mettre. Moi, j'en ai fini. Ainsi que les olives. Hein. Si vous aimez les olives ou oignons blancs, des petits oignons blancs, vous pouvez en mettre. Et voilà, je vais retourner et laisser 5 minutes. Et c'est bon. Hein. Maintenant, c'est bon. Si j'ai les 5 minutes, c'est bon. C'est bon comme ça. Maintenant, on va passer à la sauce. Ma texama sauce. J'augmente rien dans la sauce. Hein. J'augmente rien du tout. Je laisse cuire. À la fin, je mets un tout petit peu du sucre. C'est en option. Après, c'est prêt. Je mets pas d'huile. J'augmente rien du tout. À part la sauce, c'est bon. La sauce là, c'est bon. Laissez cuire les carottes tout simplement. Après, c'est prêt. Mettez un tout petit peu du sucre. Et je vous dis enjoy. Bon appétit, Harry. Nare sagiam. Harry, Harry, honno irte. Albarka nani, ko ɗum ɗon tun wata wolude. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Surtout, likez mes vidéos. Likez les vidéos, s'il vous plaît. Parce que c'est pas facile de monter une vidéo, je vous assure. Hein. C'est très difficile. Très, très difficile. Hein. Vraiment, de filmer, de monter. Soyez reconnaissants vous aussi en nous mettant en tous bleus. En tous bleus, mes chéris. Un tout petit peu de tous bleus, les chéris. Likez, likez. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.